Mon tout petit ours. Il faisait très chaud. Le soleil brûlait et l'air était étouffant. Même l'ombre était chaude. Je crois bien qu'aucun animal au monde ne peut avoir aussi chaud qu'un ours, s'est exclamé papa. C'est alors que j'ai eu une idée. Et si on allait à la rivière, on pourrait faire un petit plongeon et se rafraîchir un peu? Allez, c'est parti, mon tout petit ours, a dit papa. Le chemin est assez long jusqu'à la rivière. D'abord, il faut traverser les herbes hautes, puis se frayer un chemin dans les broussailles. Et enfin, sauter d'un rocher à l'autre. Là, j'ai crié. Je crois bien qu'aucun animal au monde n'est capable de sauter aussi haut qu'un ours. Fais attention, mon tout petit ours, m'a averti papa. Escalader les rochers, c'est déjà bien. Mais moi, j'avais envie qu'il me voie sauter très haut. Alors, je me suis mise en position. 1, 2, 3, on y va! Et là, boum, j'ai glissé sur le rocher. Papa m'a relevé. J'étais triste et j'avais très mal à la patte. Ça brûlait de partout. Je n'avais plus du tout envie d'aller à la rivière. Papa m'a proposé de faire une petite pause. On a regardé l'eau un moment. Puis, il m'a dit que si je voulais continuer, il pourrait me porter. J'adore quand papa me porte, mais j'ai préféré marcher comme un grand. Je crois bien qu'aucun animal au monde n'est aussi courageux que toi, mon tout petit ours, a remarqué papa. À la rivière, papa s'est jeté à l'eau. Et moi aussi. On a joué un peu et on s'est rafraîchi. Et là, j'ai dit, je crois bien qu'aucun animal au monde ne peut s'amuser autant que deux ours dans une rivière. Et puis, on est rentré à la maison. Le soleil brillait et l'air était doux. Demain serait encore une belle journée.